Italie, j'étais au Stinger cet été. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de... Et le pire, c'est qu'au début, celle-là, la première fois qu'on l'a vue, on pensait qu'elle allait être électrique. Après, c'est parce que la calandre devant, elle est chelou aussi. Ah ouais, elle est bizarre. Ouais, oh, elle est cul. Ah ouais. Ah, y'a trop de lettres par contre, hein. Ah ouais. Italie, GTO, Stinger, TT. Ça va péter. Oh, c'est propulsion comme une Italie GTO aussi. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est une Italie GTO, une nouvelle Italie GTO. Et t'as vu, t'as un petit élan. Oh oui, le petit... Oh, il est pas beau. Non, non, parce qu'il est... Oh, je l'aime pas. Oh. En vrai, ça va, la gueule, c'est pas mal. Moi, je suis pas très fan de la gueule. L'avant, ouais, l'arrière, non. L'avant, ouais, l'arrière, moins. C'est pour ça, c'est mitigé. C'est parti. Bah en vrai, franchement, elle me plaît pas mal. À part ce putain d'aileron moche rouge, elle me plaît pas mal. Ouais, Tu sais, moi c'est pas le cas. Ah bon ? Je suis vraiment pas fan. Et je sais pas comment la mettre. Après, je dis pas je l'adore. Hein. Elle est pas mal. Par contre, l'arrière, vraiment, plus je le vois, moins je l'aime. Hein. Ah, t'as mis l'aileron ? Ouais, parce qu'en fait, j'aime pas le petit truc. Bah moi non plus, j'aime pas, mais j'aime encore moins avec l'aileron. Oh pourquoi ouais elle est rouge ça. C'est pas beau hein. C'est peut-être pour ça aussi que ça te dégoûte un peu. Bah le problème c'est que faudra que tu regardes parce que de devant avec le moteur comme ça c'est magnifique. Mais dès que tu regardes derrière et que tu vois le putain d'aileron. Aïe 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 aïe. Mais l'arrière je déteste, il me dégoûte hein. Non l'arrière ça y est je l'aime plus non plus. L'avant je l'aime bien. L'arrière je l'aime plus, ça y est. Mais ouais toi t'es jante comme ça, celle d'origine encore. Ouais, ouais. Mais ça fait bien, je trouve. Je voulais pas mettre les autres parce que. En or, j'aimais pas. Oh, oui. Ah, si, ils sont beaux quand même. Ah, bah, il est douce comme ça. Il y a un PNG en dessous. C'est dommage. Mais non, il est au-dessus là. Ah, le dessus, il est beau. Non, ça va, je suis mitigé. Ouais, je suis très mitigé aussi. L'avant, le moteur, j'aime bien. Genre, c'est beau, c'est stylé. L'arrière, je le trouve vraiment pas beau. L'aileron. Ah, ouais. C'est stylé au moins quand tu freines, bah t'as le truc qui... Oui, voilà, qui mais... se lève un peu là. Il se lève pas le mien. Ah, mais j'ai mis un aileron derrière. Du coup, il se lève pas. Putain, ça a l'air de marcher plutôt bien. Ouais, ça va, c'est bien. Oh, j'ai pris l'arme, fais chier. Wouah. J'ai failli t'éclater. Quand tu vois le capot de celle-là et de la. Oh, ça fait du bien de retrouver tes pieds. Faut que j'arrête de me couper dans mes phrases par contre. Hein. Mais ça fait du bien de retrouver des pieds quand même. Wouah, ouais. Elle a pas tourné. Oh, elle ça vole pas. Ouais, ça se peut aussi que... Mais attends, mais il y a le bloc du moteur, d'ailleurs. Non, je pense que c'est la transmission. Je sais pas, c'est bizarre, un peu. Ouais. Après, bon, c'est Rockstar, quoi. C'est pas un jeu de bagnole, donc forcément... Ouais. Mais ouais, j'ai mitigé, en vrai. Mais en vrai, ça va, franchement. Si tu la regardes de devant et que tu roules en vue intérieure, tout va bien. Mais ouais, là, c'est plus dangereux que... Ouais, là, clairement, ça va être très dangereux, je pense. Hein. La conduite, moi, j'aime beaucoup ce genre de conduite. Hein. Bon, après, oui, voilà, dans la terre, c'est vraiment une Italie GTO nouvelle, quoi. Après, niveau de la gueule, en vrai, je préfère quand même l'Italie GTO. GTO fort, hein. Bah, du coup, pour l'instant, bah, même, en vrai, il y a peu de chances que ça change. La Peugeot, la coureuse, est le meilleur véhicule du DLC. Ah oui, bah, largement, là. Et du coup, les deux pires véhicules du DLC sont le Konoda et... Ouais. La Buffalo. Mais quand même plus le Konoda que la Buffalo. Ouais, bah, largement. J'en ai été vraiment très, très déçu. Mais je peux comprendre que... Tu parles de qui, la Buffalo ou le Konoda? La Buffalo. Ah ok, parce que j'allais venir, le Konoda... Ah non, le Konoda il est juste nul à chier lui. Ouais, y a pas de... ça peut passer. Je peux pas comprendre, tu prends un Buzard c'est mieux quoi. Juste peut-être le Buzard il voit moins vite. Ouais mais... le Buzard il coûte pas 3 millions. Bon moi j'ai très peur qu'elle explose avant. Ouais toi c'est vrai que... Wesh. Ça wall ride bien hein. Ça monte bien. Ouais. Elle burn beaucoup. Mais quand elle arrive à trouver du grip, par contre, ça marche fort, hein. Elle est longue aussi, là. Oh, bon, putain. Est-ce qu'elle va exploser ou pas? Ouah.
Je suis tombé sur le coffre. Oh non, chef. Oh, ça va vite, chef. Oh, ça va vite, chef. Ouah. Oh non, pas en bas, pas en bas. Ah bah si, bah là, ça va très en bas, là. Ok, non, ça va, ça s'arrête juste avant. Je me suis arrêté, je me suis arrêté. Oula. Eh, ça rebondit, tout ça, hein. Oula, bam oui. Bam. Allez. Ah, fais chier. Oh, j'ai tapé. J'ai mis un coup de frein avant parce que j'ai eu peur de passer par-dessus et je pense que ça m'a baisé. C'est, oh, c'est les phares, ils dégonnent les yeux. Oh, les phares, ils y font mal, hein. Ouah. 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 Oh, ça repart. Oh. Oh. Alors là, plus haut que la pneu. Ouais, là, elle est plus haut. Après, la pneu, j'avais tenu aussi. Je t'avais tenu sur le côté, donc ça se peut que ça a fait genre une espèce de queue de poisson bizarre ou une connerie comme ça. Ah oui, je l'ai eu.